Les expériences difficiles et douloureuses de quelques filles innocentes en ont révélé par hasard le vrai coupable qui se cache sous la. Ce qui nous donne une leçon de ne pas juger selon les apparences. Les institutions sont gentilles de vous présenter la scène intitulée Coupable. Applaudissez fort à avec nous.
comme si rien n'était arrivé, ou bien tu resteras ici. Jolie, je te jure. Mais oublie que tu as des parents. Viens avec nous. Tu vas accepter, n'est-ce pas? Laisse-la. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais rester. Non. Pourquoi, ma fille? Non. C'est ton choix. Mais rappelle-toi bien que tu subiras les conséquences de ce choix-là. Jolie, pense à moi. Pense à ton père. Ah non, elle a déjà pris sa décision. Jolie! Je ne le connaissais pas parce que je suis ici dans cette prison.
arriver. Je m'en allais rendre visite à une malade qui est juste à côté de nous et je reviendrai. Alors, Koubou, j'apprends toujours de ta patience. Ah non! Impossible! Tout cela, c'est du bavardage! Je n'arrive pas à dormir! Arrêtez de pleurer. Racontez-moi, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que je pourrais soulager votre peine. Ouf! Laissez-moi ici, vous. Je vous jure que vous allez bien. Vous amusez avec nous. Ici, on fait des cours de zumba, de yoga, on joue des pièces de théâtre, on chante et une minute. On danse! Salut l'ami. Qu'est-ce qui se passe?
Rien. Jacques, nous sommes des amis. Je te connais très bien. L'avocat... Il est évident que quelque chose ne va pas ce soir. L'avocat avec qui je travaille m'a emprunté de l'argent il y a un mois. Et j'ai fini de chèque. Et maintenant, il veut que je lui rende. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Allô? Bonsoir, monsieur l'avocat. Pourquoi attends-tu? Où est l'argent? Je n'arrive pas à me débrouiller. C'est là, pas la porte. Tu peux entendre l'argent de ton ami, non? Oui, mais il est très avare. Ne me casse pas la tête. Débrouille-toi. Et pourquoi je suis chercher l'argent? Même si tu dois le plus. Allô? Allô? Qu'est-ce que je fais maintenant? Dehors. Ah! Ah! Il est venu! Bonjour!
mon rôle est de vous sortir d'ici le plus vite possible. Ah, vous êtes charmant et très gentil. Monsieur Rahi, j'ai besoin de votre défense. Oui, bien sûr, madame. Seulement, j'ai besoin de connaître quelques informations et je serai là demain matin avant l'audience. Ne vous inquiétez pas, vous sortirez d'ici. Je vous attends. Ne tardez pas, s'il vous plaît. Tout va bien se passer. Madame, venez avec moi. Je vais venir avec vous, monsieur. Please, venez avec vous, Ibrahim. Quelle personnalité! Non, je n'accepte pas, je refuse. Pourquoi tu me maltraites? Pourquoi?
vu comment elle nous a quittés, sans même dire un au revoir, c'est de l'impolitesse. Peu importe. N'oublie pas l'intérêt, mamie. Ah oui, l'intérêt. Monsieur l'avocat, est-ce que vous pouvez me donner un rendez-vous, vous et notre belle mariée, le plus tôt possible? Oui, bien sûr. Avec plaisir, madame. Je vais jeter un œil à mon emploi du temps et je vous contacterai. D'accord. À la prochaine, monsieur. À la prochaine, madame. Ravie de vous rencontrer. Premier procès, l'accusé s'abat, vol et homicide volontaire. L'avocat qui est responsable de ce procès commence sa plaidoirie. Votre Honneur, la prisonnière s'abat a commis un horrible crime. D'abord, elle a volé son ami. Puis, elle l'a tué. Et tout cela à cause de récépissés que le propriétaire du travail lui ont fait signer. Votre Honneur, est-ce que c'est logique? Parce que j'ai signé quelques reçus. J'ai le droit de voler ou de tuer. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est comme ça que tu me défends? Votre Honneur, cet avocat est un psychopathe! Croyez-moi, s'il vous plaît! Silence au tribunal! Et toi, tourne à ta place, reste silencieuse! Sinon, tu vas être emprisonné. Et vous, monsieur l'avocat, ne dites pas n'importe quoi. Continuez votre plaidoirie sans donner d'exemple. Je ne suis pas là pour me questionner. Votre Honneur, je ne suis pas à vous questionner. J'étais seulement choquée de ce qui se passe. Monsieur le juge, le propriétaire du travail qui a fait signer la prisonnière Sabah s'appelle Ebrahim Abdelatif. C'est moi. Et ce n'est pas raisonnable que je prête de l'argent à une personne qui travaillait chez moi sans garantir mes droits. N'est-ce pas? Et puis pourquoi je lui prêterais de l'argent? Est-ce que c'est mon fils pour l'aider? Mais non! Je devrais l'aider. C'est lui qui devrait rendre l'argent. Même s'il allait voler la somme, c'est lui qui est coupable. Ce n'est pas moi. C'est lui qui est lâche et stupide. Il ne savait pas quoi faire. Votre Honneur, je ne savais pas que tout cela allait se passer. Je savais! Jack était un avocat très intelligent, très brave! S'il avait pris une chance, il aurait été plus là pour moi!
Ibrahim, notre accusé est une fille, pas un garçon. Soit tu reformes le procès pendant 10 minutes. Non. Oui, oui, bien sûr. Si vous voulez, votre honneur. J'ai terminé ma plaidoirie. Après consultation, l'accusé Sabah... Non, votre honneur, non! Écoutez-moi, s'il vous plaît! Cette prisonnière est innocente et cet avocat est déséquilibré! Nous sommes toutes là, enfermées, à cause de lui! Toutes les paroles de cette fille sont correctes! Je vous jure que c'est la vérité! Tokoura! Vous êtes imbécile! Personne ne Tokoura! Silence! Tu calmes, s'il vous plaît. Et toi, je te permets de parler. Votre honneur, je suis la sœur de cet avocat. Mais je n'ai jamais senti qu'il est mon frère. Il est la personne qui m'a fait le plus de mal dans ma vie. Les personnes qui m'aimaient se sont éloignées de moi à cause de lui. J'ai perdu confiance en moi-même. J'ai devenu lâche. J'ai peur des gens. Il a détruit ma vie. Alors, j'ai décidé de me venger. J'ai cherché dans son travail et j'ai trouvé des catastrophes, des crimes qu'il a commis. Et pour s'assurer que je ne préviendrai pas la police, il a mis de la fausse monnaie dans mon sac. Et voilà, je suis devenue prisonnière. Toutes ces paroles sont exactes. Je travaillais chez lui et je sais toutes les choses illégales que se déroulent dans son bureau. Je voulais bien contacter la police. Mais j'avais peur! Il n'est pas normal! Il est capable de tout! Lorsque le frère de Sabah est allé chez lui, il... Taisez-vous! Je ne suis pas fou! Bien sûr que oui. Je connais tout cela et je ne ressens aucun regret.
On a décidé que j'allais regarder la pièce sous l'angle. Alors là, vous allez voir, vous êtes dans l'embarras. Je vais regarder chaque pièce sous l'angle de la musique et du son. Bon, alors là, mais malgré tout, vous avez eu un problème technique, ça arrive. Vous en êtes quand même très très bien sortis. Et quand ça marchait, j'ai vu des choses qui étaient très intelligentes au niveau du son, au niveau de la dramaturgie musicale, et ça, pour ça, je vais vous dire bravo. Alors, moi, je vais un peu évoquer l'aspect de la mise en scène de l'occupation de l'espace. J'ai trouvé ça aussi très, très intéressant, parce que vous avez recréé des époques différentes, et vous avez recréé des lieux différents, c'est très difficile pour l'amener que tout le monde comprenne bien. Donc j'ai trouvé ça, il y avait plein d'idées, plein de choses qui permettaient de rendre la scène dynamique. Donc, c'est difficile aussi parce que la tour est grande, il faut courir. Donc c'est le premier aspect. Et puis j'ai aussi beaucoup aimé la solidarité que vous avez fait preuve pour, par l'efficacité de mise en scène, remplacer le manque de son. Et donc il a fallu que vous trouviez très vite comment faire pour aider les partenaires qui sont sur scène. Ça fait partie de la mise en scène, ça. Et j'ai trouvé que ça a développé beaucoup de cohésion entre vous et au théâtre. C'est vraiment fondamental, donc bravo. Moi, je suis venu là le corps et la présence. Voilà, habituel. Et pour commencer, bravo à vous, félicitations, c'était très bien. Et j'ai aimé. Maintenant, c'est l'espace. Hein, l'espace est trop grand. Et souvent, il ne faut pas oublier que quand vous voulez rentrer dans les polices, tenir compte que
le public vous regarde toujours, ne lâchez pas. Surtout, ne lâchez pas. Allez-y, parce que c'est trop grand. Il ne faut pas lâcher un bout de chemin pour rentrer. C'est juste ça. Et pour finir, c'est la scène où il y a le jugement là. J'ai aimé. Moi, personnellement, j'ai aimé vraiment l'énergie qui existait vraiment dans cette scène. Bravo à vous. Bravo. Alors moi, je vais prendre la parole pour... j'ai observé la construction des personnages. J'ai trouvé que c'était vraiment bien, il y avait beaucoup de personnages bien campés. La diction, l'articulation, ça fait partie aussi du travail. Et vraiment, bravo. On comprenait tout, on entendait bien au niveau du volume sonore, c'était très très clair. Donc bravo. C'est pas toujours facile dans une langue étrangère. Et puis, oui, la construction de personnages, on voyait vraiment les différences entre les. Je parlais Pascal des temps chronologiques. J'ai trouvé que c'était très clair aussi au niveau des temps entre vous et entre les acteurs, actrices et personnages. Je ne suis pas sûr qu'on ait quelque chose à rajouter. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Des questions à lui poser? Non, c'est très bien. Alors, j'inviterais juste le public, et vous aussi, pour la meilleure écoute, de faire attention à ne pas faire trop de bruit, surtout si vous-même vous en avez un de théâtre qui est passé après, parce qu'en fait, ça rend difficile l'écoute pour les autres. Donc, faites attention à ceux qui sont sur scène. Pas beaucoup cela quand vous êtes là, quand vous serez sur scène. Ça sera vraiment bien pour tout le monde, merci.